offrande, aclamação a Jesus. Jesus Christ. Merci. Thank you. Alléluia. Praise the Lord. Dieu va libérer beaucoup de personnes des blocages. God is going to set free many people from blockages. Certaines personnes n'ont pas une idée claire de comment Satan travaille. Some people don't have a clear idea on how the devil works. Frère Adoni, viens nous rendre ton témoignage. Brother Adoni, come and give your testimony. Vous allez voir comment un homme a souffert parce qu'on avait pratiqué la sorcellerie contre lui. You're going to see how a man suffered because witchcraft was practiced on him, against him. Comme ça, si tu es venu pour chercher le secours de Dieu, tu auras l'intelligence pour répondre à Dieu, pour répondre à son appel. If you came to ask for the help of God, you are going to have the knowledge to answer to his call. Les gens ont des problèmes. People have problems. Quand tu leur montres le chemin que Dieu a frayé pour leur délivrance, ils se retirent. When you show them the way that God has paved for their deliverance, they go back. Celui-ci fut délivré parce qu'il a écouté la parole. He was delivered because he listened to the word. S'il avait refusé, if he had refused, son sort allait être scellé. It would have been worse for him. Tu as la parole pour glorifier Jésus-Christ. You have the floor to glorify Jesus Christ. Pour susciter la foi dans le cœur de ceux qui t'écoutent. To raise up faith in the heart of those who are listening to you. Gloire à Dieu. Je me représente, je suis le frère Adonis Brou Frédéric. Mon frère de disciples est ancien sous Kofi Germain. Je bénis le nom de notre Dieu qui m'a délivré de l'idolâtrie au sens propre du mot, de l'envoûtement et de la pauvreté. Frère, j'étais fonctionnaire de la douane, un lieutenant de la douane qui a occupé des hauts postes à la douane. Le Seigneur m'a béni. J'avais l'argent. Tu es arrivé chez moi. J'ai une maison de 11 chambres. Tout était rempli. Mon épouse allait au marché avec 15 000 francs par jour. Mais je vous assure, il arrivait un moment, je n'avais rien. Pourquoi? Parce que quand j'ai commencé à travailler, je me suis dit, je connais la sorcellerie de ma famille. J'étais en mission à Boaké. J'ai croisé un vieux qui m'a donné un fétiche parce que je lui ai rendu service. Il dit, ce fétiche-là va te protéger. Prends soin de lui. Et j'envoyais ce fétiche. Aux deux plateaux même, chaque année, j'adorais ce fétiche avec au moins 4 à 5 bœufs. C'est une réalité. Les moutons, là, on n'en compte pas. Les poulets, chaque mercredi, 4. Chaque vendredi, 4. Chaque dimanche, 4. C'était comme ça. J'étais dedans même. Et j'avais un projet de créer l'association des fétichiers de Côte d'Ivoire. Ce projet était en préparation. Et j'ai constaté que depuis 1993, j'ai commencé à perdre de l'argent. Je peux avoir 1 million, mais quand je prends 1 franc, l'argent disparaît. Je peux avoir 5 millions, je prends 5 francs, l'argent disparaît. Jusqu'à un moment, j'ai tout perdu. Tout. J'étais devenu pauvre, misérable. Misérable. Il n'y avait plus rien à manger. La femme qui faisait au marché, qui va aller au marché avec 15 000 francs, maintenant, 5 semaines, il n'y en a pas. 5 semaines, il n'y en a pas. C'était la souffrance. Une souffrance terrible.
Il y a une femme qui fait attaquer avec poisson au marché des deux plateaux, là, en face du 12e. Elle est encore là. Mon épouse était obligée d'aller là-bas, prendre crédit d'attaquer avec poisson pour que les enfants mangent. Même si on dit 1er janvier, 24 décembre, elle allait prendre crédit attaquer pour que les enfants mangent. Et un jour même, ma fille a pleuré. Pendant que mes camarades d'école mangent poulet, nous, ça, je dis, ah, il faut manger, il n'y a plus rien. Il faut manger. C'était comme ça. La misère, la pauvreté. Et j'étais tombé malade. Je souffrais terriblement. Pendant ce temps, j'adorais ce petit, j'avais la sœur Adonis. Les bœufs qu'on tuait là, on tue pas sa tête, on soulève le bœuf. On soulève le bœuf là-haut. On le tue en haut, on coupe la tête, les pattes, tout, avant de faire tomber le corps. Et il arrivait, des fois, c'est la sœur Adonis qui prenait les pattes. C'est elle qui attrapait les pattes. Et il arrivait un moment, j'avais une belle sœur qui était avec nous, c'est elle qui était la prêtresse. Elle allait à la Riviera, elle allait avec la sœur Adonis. Quand elle s'est mariée, elle devait aller en Suisse. La sœur Adonis dit, ah, pendant qu'on adore fétiche, mais la souffrance, la misère, je vais chercher le Seigneur. Acclamation à Jésus-Christ. Clap offering to Jesus Christ. Elle dit, je vais chercher le Seigneur. Elle allait à l'église protestante méthodiste où elle a été baptisée étant bébé. Elle dit, elle ne se sent pas là-bas. Elle a cherché, elle a trouvé la CMCI. Offrande d'acclamation à Jésus. Clap offering to Jesus. Elle allait me voir et dit, papa, ce que tu gagnes là, tu peux même vivre 2 mois, 3 mois. Mais comment, qu'est-ce qui se passe-t-il? J'ai dit, moi-même, je ne sais même pas ce qui se passe. Je n'avais rien, 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 rien. Et ce qui m'a énervé, à la rentrée scolaire de 2013, j'ai mon fils qui devait aller en terminale. Pour 140 000 francs, il n'a pas pu aller parce que je n'ai pas eu l'argent pour payer. Et je suis allé, j'ai dit à ce fétiche-là, attends, toi, oh. J'ai un peu d'argent, je paie poulet pour toi. J'ai un peu d'argent, je paie mouton pour toi. Tu n'es pas capable de me donner l'argent pour que l'enfant parte à l'école. Je n'ai rien dit, j'ai cherché mon transport. Dès que j'ai eu mon transport, j'ai pris le fétiche, j'ai dit, je vais le déposer à Boaké. Je suis allé, j'ai donné à son propriétaire. Jésus-Christ. Jesus Christ. Il dit, hé, hey, Ndiabrou, parce qu'il m'appelle Ndiabrou. Ndiabrou, on compte sur toi. Il dit, non, non, je ne veux plus de votre fétiche, c'est terminé. Et je suis venu. Mais je n'allais pas toujours à l'église. J'étais resté à la maison, dans la souffrance, dans la maladie. J'étais vraiment malade. Et encore pauvre. La sœur Adonis venait me prêcher l'évangile. Je ne l'écoutais même pas même. Et le 2 janvier 2015, elle était venue. Elle arrivait à la maison. J'avais rien à manger. Elle dit, j'ai dit, il faut donner ta vie à Jésus. C'est Jésus qui va te sauver. Elle a préparé même un cahier de repentance. Je l'ai regardé préparer. Je n'ai rien dit. Quand elle a parti, j'ai déchiré ça. J'ai jeté à la poubelle. C'était la souffrance, la maladie, la misère. Si quelqu'un me disait avant que toi, il va arriver un moment même, d'un cassé, ça dit le riz des familles nombreuses, tu ne vas pas avoir pour moi, je lui dirais c'est faux. Mais c'est ce qui est arrivé. Le jour où j'ai d'un cassé à la cerise là, c'est qu'on a trop mangé. C'est qu'on a trop mangé. Et la nuit du 1er janvier au 2 janvier, quand la sœur Adonis nous a quittés, j'ai eu un songe. Dans le songe, j'ai vu quelqu'un qui écrivait sur un tableau noir avec la craie blanche. Il dit, fais ta repentance. Acclamation. Clap offering.
repentance pour que je te sauve. Et puis j'ai dit, c'est qui? J'ai vu le bras, c'est la peau blanche, mais la personne, je ne l'ai pas vue. J'ai dit, c'est qui? La voix me dit, c'est Jésus. J'ai dit, c'est Jésus. Et puis je me suis réveillé. Le matin, j'ai appelé la sœur Adonie pour lui partager mon songe. Elle était heureuse. Elle lui a dit, j'ai dit, mais celle-là, ça ne va pas ou bien quoi? Je t'ai partagé un songe. Et puis tu dis, Dieu m'a sauvé, Dieu m'a sauvé. Elle a appelé Ancien qui est venu, Ancien Scofi Jamien qui est venu. Il a pris un cahier. Il est arrivé, il m'a vu dans l'état dans lequel j'étais. Il dit, tu ne peux pas prendre un jeûne de 10 jours. Il faut prendre 3 jours. 3 jours, c'est le jeûne de la repentance. J'ai dit, celui qui m'a dit, prends un jeûne de 10 jours, fais ta repentance pour que je te chauffe. La personne m'a dit, ça s'appelle Jésus. Donc, je vais faire les 10 jours. Offrant l'acclamation à Jésus de Nazareth. Jesus Christ of Nazareth. Jésus est vivant. Jesus is alive. Il se révèle. And he reveals himself. Donc je vais faire les 10 jours. Vraiment, il était assis, il m'a regardé. Je sentais le découragement même. Il était découragé. Il dit, bon, d'accord. Il m'a expliqué, il dit, repentant cela, ça dit, tu dois reconnaître tous les péchés que tu as commis, sans honte. Confesse-les. Abandonne-les, on va faire des restitutions. Et toutes les femmes avec qui tu as des rapports sexuels, tu vas tout confesser. Je dis, ça c'est beaucoup. Effectivement, il m'a conduit à la repentance. J'ai dit tous mes péchés. Il a prié péché par péché, péché. Quand c'est fini, il a pris les femmes aussi. Quand c'est fini, il m'a dit, voilà le cahier. Parce que comme c'est le Seigneur même qui s'est révélé à toi, voilà le cahier. S'il revient pour te dire, il y a un péché que tu as oublié, écris. Le nom d'une femme que tu as oublié, écris. Et appelle-moi, je viens, je vais te conduire à quoi la repentance. Il a déposé le cahier, il est parti. Pendant ce temps, je souffrais terriblement. Et quand je me suis couché, oh, le Seigneur même m'attendait. Il m'attendait pour me délivrer. Offre d'acclamation à Jésus-Christ. Avec un cri de victoire et un cri de joie. Jésus de Nazareth. Jésus vivant. Dès que je me suis couché, un petit sommeil m'a pris. Et je vois le Seigneur Jésus s'arrêter à côté de moi. Je le voyais comme je vous vois à côté de moi. Il me dit, regarde dans quel état tu es. Je me regarde comme ça, je vois, on m'a lié, attaché, avec la corde qu'on prend pour attacher les moutons là, depuis l'épaule jusqu'aux chevilles. Tout le reste du corps là ne voit rien, parce que c'était solidement attaché. C'est le cou, la tête et les deux pieds qu'on voit. J'ai regardé, j'ai fait ça. J'ai dit, le Seigneur me dit, regarde devant toi. Je regarde devant moi. C'est mon petit frère, même père, mais pas même mère, à qui j'ai donné mes biens pour gérer. C'est lui qui voulait précipiter ma mort. Quand le Seigneur m'a révélé, j'étais surpris. J'ai voulu parler, le Seigneur me dit, non, c'est moi qui vous juge. Et cette fois-ci, je l'ai jugé, dit, tu es jugé au nom de Jésus. Il a fui, et la croix s'est détachée, s'est tombée. Jésus-Christ. Jesus Christ. Jésus-Christ. Jesus Christ. Ça va t'arriver. It's going to happen to you. Ça doit t'arriver. It must happen to you. Ça va t'arriver. It will happen to you. Ça doit t'arriver. And it must happen to you. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. La croix est tombée, c'est ma guérison. Total. Non, c'est encore. Quand la corde est tombée, qu'est-ce qui s'est passé? Say it again. When the rock fell down. Le Seigneur me dit, reste là, j'arrive. Et il est parti. Il revient avec beaucoup d'argent, des billets de 10 000. C'est beaucoup, hein? Ça y est, sur ses bras. Il dit, tiens ton argent que les deux femmes là venaient voler à sorcellerie. Je regarde. C'est ma sœur aînée. Et ma cousine. Si quelqu'un me disait que cette sœur pratiquait la sorcellerie, on l'avait fait par là parce qu'elle m'aimait trop. Elle m'aimait tellement. Elle au village, mais quand elle apprend que j'ai mal à la tête, elle vient bien.
Or, c'est elle qui a livré tous mes biens. Quand le Seigneur m'a remis ça, je les ai. J'étais suivi. Le Seigneur dit, je vous dis, c'est moi qui vous juge. Je les ai jugés, elles aussi sont parties. Et je me suis réveillé. Frère, c'est terminé. C'est terminé. Jésus-Christ. Jesus Christ. Jésus-Christ. Jesus Christ. Quelqu'un qui était malade, j'étais guéri. Quelqu'un qui n'avait rien à manger, mais la nourriture est maintenant abondante dans ma maison. Même jusqu'à même, à n'importe quelle heure, tu arrives chez moi, tu vas trouver de quoi manger. La nourriture ne manque point. En 25 décembre 2015, la nourriture sur la table, il y avait tout. Le 1er janvier 2016, il y avait tout. 14 poulets, dindons, cabri, tout, rôti, tout était sur la table. Jesus Christ. Jésus Christ. Jesus Christ. Mon épouse s'est arrêtée. Elle a dit, hey, Jésus, tu es bon. Tu es bon. Elle a failli même pleurer. Quelqu'un qui n'avait rien à manger. Mais sur coup, voilà. Tout est là. Frère, depuis ce jour, il n'y a plus de maladie. Je, si je suis malade, c'est pas lui. Un peu de fatigue. J'ai été désenvoûté. Offre d'acclamation à Jésus-Christ. To Jesus Christ. Le Seigneur m'a délivré aussi de la pauvreté. Parce que ce que je ne pouvais pas faire avant, je fais maintenant. Je fais maintenant. Donc, je dis merci à ce grand Dieu qui n'a pas tenu compte du temps d'ignorance. Il m'a pardonné. Il m'a restauré. Il m'a délivré. Il m'a sauvé. Que son nom soit béni. Amen. Offrande d'acclamation à Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Je suis le frère Yao Kofi, bienvenue de la localité de San Pedro. Mon faisait de type, c'est le pasteur Kou. Alléluia. Je vais rendre grâce à Dieu qui m'a guéri hier même, juste après la prière. Frère, j'avais un mal au niveau de mon œil gauche. Et ce mal a duré au moins 6 mois. Et hier, pendant qu'on était en train de prier, j'avais les yeux fermés. Et juste quand le pasteur a dit « Amen, on s'assoit », quand j'ai ouvert mes yeux, j'ai vu bien clairement. Je vais lui dire merci, lui qui m'a guéri. Parce qu'avant, je ne le voyais pas bien. Quand je regarde, je vois un peu flou. Je vais lui dire merci, lui qui m'a guéri. Que son nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamation à Jésus-Christ. Je suis la sœur Loukou Priscilla Niela. Mon faiseur de disciples, c'est le pasteur Ouattara Lako. Il faut dire, hier, avant que nous commencions la prière, j'avais une douleur au niveau de la poitrine et la douleur persistait. Et lorsque nous avons commencé à prier, la douleur a disparu. Et j'ai ressenti au niveau de ma colonne vertébrale que ma colonne s'est redressée. Je veux dire merci au Seigneur pour la guérison. Au nom de Jésus, amen. Acclamation à Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Et je suis la sœur Mel Agathe. Mon faisait des disciples est l'ancien Oka Emolo. Je voulais glorifier le nom du Seigneur qui règne dans mon foyer. J'ai donné ma vie à Jésus en 2000 et je n'avais pas la paix. Je ne pouvais pas être au milieu des frères quand les frères se rencontrent. À cause de la persécution, je n'avais pas la permission de venir et j'insistais. Gloire à Dieu. Le Seigneur règne dans mon foyer. Mon cœur est dans la joie parce qu'aujourd'hui, je suis libre de servir mon Dieu. Et je viens à Tiekwa jusqu'à 40 jours. Et je suis au milieu des frères
à chaque rencontre. Je voulais dire merci au Seigneur qui m'a exaucé et qui a arraché ma fille de la main de l'ennemi. Lui a donné le salut. Aujourd'hui, mon cœur est dans la joie parce que nous sommes deux à la CMCI pour servir Dieu. Je voulais lui dire infiniment merci. Amen. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ. Jesus. Alléluia. Bien-aimé, Dieu est vivant. Dieu est puissant. Bien-aimé, je vais commencer par lui rendre grâce parce qu'il a voulu que ce jour, je vois ce jour encore, occasion que d'autres personnes n'ont pas eu. En cela, la gloire lui revient. Bien-aimé, hier, Dieu a fait accompli un grand miracle dans ma vie. Hier, d'abord en venant, j'ai dit au Seigneur, là où je m'en vais, moi je ne suis jamais parti là-bas, mais là où je m'en vais, si tu es vraiment dans ce lieu, localise-moi. Bien-aimé, hier, le Seigneur m'a localisé. Le Seigneur m'a localisé. Bien-aimé, je ne savais pas que quand on se promène comme ça, là, il y a des moments où on est dans le tombeau, on est dans le cercueil, on ne sait pas. Hier, j'étais assis là, quand l'homme de Dieu a commencé à parler, il a commencé à demander à ce qu'on vienne, que ceux, quand il est arrivé sur les rétrogrades, bien-aimé, au passage, je vous rappelle que le Seigneur m'avait vraiment localisé au début en me donnant un puissant don de guérison et de délivrance. Mais bien-aimé, c'est à cause de ce que j'ai rétrogradé que j'ai perdu cette grâce. J'étais là et quand le pasteur a commencé à prier, il a prié, il criait, il dit « Viens, viens, viens !» Tout le monde est venu. Mais il y a une dernière personne qui est venue, le pasteur a dit « Non, ce n'est pas lui. » Bien-aimé, j'étais là, j'entendais la parole, mais je ne pouvais pas me lever. Mais quand il a dit « Je te sors du trou !» Bien-aimé, mon cœur a commencé à me palpiter. Et la parole a commencé à sortir. Bien-aimé, c'est le Seigneur qui m'a conduit ici. Il m'a conduit ici pour me libérer. Alors, ceux même qui étaient là, qui s'occupaient de nous, là, ils m'ont vu. J'étais à chaudes larmes parce que je pleurais. Pas parce que j'avais mal, mais je pleurais de joie. Et le Seigneur m'a libéré. Ce soir, bien-aimé, je lui rends la gloire. Je lui rends l'honneur. Je lui dis merci infiniment. Parce qu'il ne m'a jamais abandonné, quelle que soit la situation dans laquelle je me trouve. Le Seigneur ne m'a pas abandonné. Alléluia. Donc merci infiniment au Seigneur qui a permis. Une offrande d'acclamation à Jésus-Christ. C'est que je sois là. Gloire à Dieu. Même le frère Josué m'en faisait cette. Pasteur Traï. Bon, il faut dire que le samedi, quand nous sommes venus, depuis le samedi, j'étais un peu distrait à cause de mots de vente. 1, 2, 3, quand on vient prier à cause de mots de vente, je suis distrait. Je tourne. Et c'est comme ça, hier, je suis allé encore à la scène. Et c'est de là-bas, il dit, mais toi, tu penses que je suis venu ici à cause de toi. Je ne peux pas rester ici tout le temps avoir mot de vente. Et c'est comme ça, j'ai dit, comme mon fidèle de disciple était un homme de délivrance, et il donne des ordres aux démons, toi aussi je t'ordonne à partir d'aujourd'hui. Si je sors, c'est fini. Et c'est comme ça, depuis hier, c'était terminé. Donc je me rends gloire au Seigneur Jésus. Amen. Acclamation à Jésus-Christ. Suivant. Je m'appelle la sœur Kaku Anastasie. Je vous faisais le disciple, le pasteur Raoul. Je suis une sœur d'Abengo. Gloire à Dieu. Je veux dire merci au Seigneur qui a délivré ma fille de l'échec scolaire en 2022. Gloire à Dieu. Elle a passé le bac 2 fois, ça n'a pas marché. Et j'étais vraiment touchée. Et la 3e fois, je me suis levée avec colère pour crier au Seigneur.
Et dans la prière, le Seigneur m'a exaucé. Gloire à Dieu. Et en 2022, il faisait des songes auparavant où elle échouait, où on jetait ses bulletins à la poubelle. Dans les songes, plusieurs fois ça se répétait. Et quand il a commencé à prier, à partir de ce moment, les choses ont commencé à changer. Maintenant, il faisait des songes de victoire maintenant. Et en 2022, après la renversée des principautés, les autres sont sortis. Elle a eu le bac. Le Seigneur lui a accordé le succès au bac. Je vais dire merci au Seigneur qui l'a délivré de l'échec scolaire. Que la gloire lui revienne. Amen. Gloire à Dieu. Je suis le frère Kadjo Kaku Junior. Il y a pour faire disciple le frère Kwame Joseph. Et mon témoignage est relatif à l'exaucement, à nos prières ici à Tikwa. Gloire à Dieu. Hier, quand on a fini la prière, je suis allé me reposer. Et j'ai fait un songe où on était avec le pasteur Méné Boniface. Il a fini la croisade. Et les frères étaient en train de l'embrasser pour lui dire merci pour le ministère qu'il nous a rendu. Dans ce délan-là, il y a un frère, un homme qui est sorti et qui a embrassé le pasteur Méné Boniface si fort et puis durait. Et puis le conducteur de pasteur Boniface a dit, mais frère, tu embrasses le pasteur, tu dures, on est nombreux. Si nous tous on durait comme ça, là, est-ce que tu allais avoir le temps? Et le frère s'est mis dans tous ses états. Pourquoi il lui dit ça? Et le frère commence à s'enflammer dans une colère. Et le pasteur Boniface a commencé, il lui continue à saluer les frères. Et tout d'un coup, je vois le pasteur s'arrêter. Et il a commencé à regarder le frère d'un air d'exhortation. Genre, comme il était étonné de voir le frère dans cet état, parce qu'on lui a dit, pourquoi est-ce qu'il dit? Et le frère a continué dans son état. Le frère l'attrape, il ne veut pas, il crie. Non, pourquoi? Le pasteur Boniface, c'est pour nous tous. Et il est le pasteur de tous. Et je t'ai arrêté, j'ai regardé le frère. J'ai dit, mes frères, attends, pourquoi faire ça? Et le pasteur Boniface, quand il a fait ça, le pasteur a mis sa main dans sa poche, il a enlevé les pièces d'or. Et puis il donnait à tous ceux qui étaient tranquilles. Il t'embrasse, il te donne. Il t'embrasse, il te donne. Arrivé autour du frère, il le saute. Il embrasse, il donne. Il embrasse, il donne. Arrivé autour du frère, il le saute. Et le frère toujours est agité. Mais le pasteur peut dire, il dit que les pièces en or. Il dit que les pièces en or. Et j'ai dit au frère, mes frères, tu vois que le pasteur est en train de distribuer les pièces en or au frère. Ce sont les bénédictions. Et puis toi, tu es dans tous tes états. Il te saute, ça ne te dit rien. Mais tu continues. Et puis j'ai ajouté, il dit, mais c'est que le pasteur Boniface est le leader de notre UVC en Côte d'Ivoire. Si lui, il te regarde et que tu n'as pas peur et que tu n'arrêtes pas ce que tu es en train de faire, frère, c'est que tu es en danger. Il faut te revoir. Et le pasteur Boniface a arrêté, il m'a regardé. Il dit, comme tu as dit cela au frère, il a mis sa main dans sa poche, voici ta part. Jésus-Christ. Je vais dire merci au Seigneur pour cela. Amen. Offre d'acclamation à Jésus-Christ. Clap up into Jesus. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Yao Nyoleba Mireille et j'ai professé disciple pasteur Afro et Umonjon de Yopougon. Je veux dire merci au Seigneur qui m'a guéri des maux au niveau de mes mollets. Il faut dire que pendant qu'on priait, il y avait des douleurs au niveau du tibia et ça me faisait très mal. Et c'est comme ça, après la prière, la douleur continuait. Et je priais, j'ai dit au Seigneur de me délivrer de cette douleur. Parce que je suis semeur, je veux danser pour lui. Et je refuse cette douleur. Que si c'est un démon qu'il parte. Et c'est comme ça, je priais, le Seigneur m'a délivré. Je veux dire merci au Seigneur au nom de Jésus. Amen. Je m'appelle Lara Beignet Elisabeth. Mon faiseur de disciples, c'est le frère Atta Joseph. J'aimerais dire merci à Dieu qui m'a délivré de maladie du asthme. Il faut dire depuis mon enfance et cette maladie était au milieu de mon cœur et ça me fatiguait. Donc hier, comme je suis venue, c'est depuis le vendredi, quand je suis venue et j'ai commencé à prier pour que Dieu enlève cette maladie de mon cœur et j'ai commencé à prier comme ça. Donc hier, c'est quand le pasteur a commencé à prier et il a commencé à intercéder sur le maladie asthme. Donc je suis tombée, ce démon se manifestait. Et il a commencé à parler jusqu'à ce que je me suis réveillée. Et quand ce démon se manifestait, où je voyais, c'était comme j'étais attachée sur une nappe. Et puis j'avais des chaînes qui étaient au milieu de mon cœur. Et je vois, et je commençais à vomir du serpent. Et je vois une âge qui a coupé ce serpent en deux. Et je vois encore
où j'étais attaché et le Seigneur a brisé ce chaîne et il m'a libéré. Et j'aimerais dire merci à Dieu pour ma délivrance. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je me nomme Reine Amavi Etekpo. Je viens du Sénégal. Je suis de la CMCI. J'ai pour faiseur de disciples frère Régis. Je veux grandement bénir Dieu pour le don dans la vie du pasteur Meunier Boniface qui m'a fait asseoir à la CMCI. Je veux dire que je suis né colérique. Je suis calme, mais si tu me provoques, je réagis violemment. Donc Dieu m'a fait grâce. J'ai reçu Jésus, ça fait près de 25 ans. Mais toujours avec la colère, je me dis que si on ne me provoque pas, je ne vais pas faire ceci, je ne vais pas faire cela. Et je n'ai pas le temps pour lire la Bible et autres. Je cherchais seulement l'argent. J'aime beaucoup l'argent. Donc, je ne lisais pas trop la Bible. Donc, je ne savais pas qu'il est écrit dans la Bible que celui qui est colérique ne va pas rentrer dans la vie éternelle. Donc, moi, je suis chrétienne. Dieu m'a béni avec beaucoup de témoignages. Je me dis que le jour où Dieu va m'appeler, je vais m'agenouiller devant lui pour lui faire de gros bisous aux orteils. Si je ne serai pas digne de lui faire de bisous sur les joues, je vais m'agenouiller pour lui faire de bisous sur ses orteils. Mais quand j'ai lu une fois que celui qui est colérique ne va pas rentrer dans la vie éternelle, j'ai eu peur. J'ai commencé à réfléchir. Vraiment, la colère là, ça m'a fatigué. Et j'ai même une fois giflé un gendarme quand j'avais 18 ans. Et la colère me prend, je ne réfléchis même pas. Je réagis en même temps avant de réfléchir. Donc, avant que je ne vienne à la CMCI, là où j'adorais au Sénégal, un premier dimanche où on a fini le culte, la traversée là, la femme du pasteur m'a fait quelque chose. Ça m'a beaucoup fait mal. Je devais la gifler. Mais Dieu m'a fait grâce. Quand je ne l'ai pas giflé, je n'avais pas eu de paix. Durant toute la journée du premier, là, je n'avais pas eu de paix. Mon cœur bouillonnait. Et je me dis, je ne vais plus aller dans cette église. Mais sans savoir là où je vais adorer. Donc la semaine qui a suivi, j'étais au travail dans mon magasin. Il y a des filles qui me dépassaient à la hâte. Elles sont togolaises comme moi. Elles me saluent. Donc la semaine qui a suivi, une de ces filles m'a encore dépassé à la hâte. Bonsoir maman. Là je l'ai rappelée. Où est votre église même? Elle m'a indiqué, c'était un mardi. Donc, elle m'a dit finalement, elle m'a donné son numéro si je veux venir, que je me tienne là et je l'appelle. Donc, ce que j'ai fait, je l'ai appelé. J'étais allé à l'enseignement ce mardi. Donc, à la fin de l'enseignement, il y a un frère qui est venu informer l'assemblée qu'il y a un programme. Comme c'est la première fois, je n'ai même pas prêté attention. J'étais parti. Le mercredi, j'étais dans mon magasin, la voix me disait, quand on a informé les gens, tu ne vas pas y participer? La voix était si forte que j'ai répondu, ah bon? Ah ok. Donc, le soir quand j'ai fermé, j'étais allé pour donner mon nom. C'était le programme de renversement de principauté. Donc, j'étais allé, je ne sais pas ce que c'est. On ne m'a jamais parlé de la CMCI jusqu'à parler du renversement de principauté. Donc, je me suis mise dans la BAC. On m'a donné une liste. On doit prier avec durant toute la journée et le soir,
à 17h, on va se rassembler pour prier. Donc, avec l'affiche des idoles, là, j'ai commencé à déraciner les idoles. Or, et la tension de la colère était très élevée que c'est comme si j'allais m'exploser. Et bien avant ce jour, je cherchais là où je dois passer pour être délivré de cette colère. Donc, quand j'ai commencé à déraciner les idoles, je suis arrivé au niveau de la colère. J'ai commencé à déraciner la colère là dans mon cœur. J'ai commencé à prier, à prier. J'étais assise sur une chaise, j'ai allongé mes deux pieds sur un tabouret. L'Esprit de Dieu m'a visité dans mon magasin de telle manière que le tabouret sur lequel j'ai allongé mon pied même a été renversé. Mes frères, Dieu est partout. Si on l'appelle, on le cherche de tout nos cœurs, Adama, il répond. Dieu m'a visité dans mon magasin et je suis authentiquement délivré de cette colère depuis 5 ans. Vraiment, je ne sais même pas comment le remercier. Je ne peux pas venir jusqu'ici sans témoigner cela devant le peuple de Dieu. Vraiment, je bénis Dieu. Les choses se passent maintenant devant moi. Je me dis que je ne réagis pas. Je me demande, est-ce que c'est à Rennes qu'on fait ça encore? Je ne réagis pas. C'est fini. Vraiment, elle est délivrée. Dieu. Je comprends la parole de Dieu qui a dans une chanson qui a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. Vraiment, Jésus est assis sur mon trône. Amen. Gloire à Dieu. Je suis le frère Nathan Abalé. Et mon frère de cible, c'est le pasteur Nguyen Sambathieu, régional des Grands Ponts. Je suis missionnaire à Dabou. Et je suis ministre de délivrance. Gloire à Dieu. Le jeudi, d'après le vendredi dernier, quand on s'est préparé déjà, on appelle pour venir ici, sur le site, pour la croisade. Ma femme a été jointe par sa petite sœur que sa maman est entrée dans le coma. Elle est rentrée dans le coma et elle était morte. Il fallait de l'argent pour l'envoyer à l'hôpital. Bon, on s'était déjà préparé pour cette rencontre. Donc, on n'avait plus d'autres organisations pour cela. On était coincés. J'ai fouillé dans mes documents, j'ai vu le cahier de brisement des liens de ma belle-mère. Et j'ai fait son brisement par substitution. Quand on a fini le brisement des liens, on a appelé là-bas, elle était ressuscitée. Faire le brisement des liens par substitution, ça voudrait dire que elle n'était pas sur les lieux, elle était à Kumasi et nous étions à Debrimou, derrière Dabou. Donc nous avons fait son brisement de lien à partir de quelqu'un d'autre, c'est-à-dire notre petite fille, notre fille qui était chez nous à la maison, notre dernière. Nous l'avons remplacée à sa grand-mère. Nous avons fait le brisement de lien comme si c'était ma belle-mère qui était là. Et quand nous avons fini le brisement des liens, effectivement, elle a été ressuscitée. Gloire à Dieu. Nous voudrions vraiment dire merci au Seigneur qui nous a épargné le pire. Que toute la gloire lui revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen.